Correction, test paper 7. Right, nous avons pour évaluer, ok, même si tu vois l'arithmétique bien facile. Nous avons pour faire ajouter, retirer, avec d'abondance, nous avons qui, ok, B de première position, O de deuxième, D, M de troisième position, A avec S de dernière position. Vous trouvez addition et subtraction, tous les deux de N seule position, là nous work from left to right. Ok, right, mais au cas fait ensemble ça, ok, comment nous faire, nous pouvons work from left to right, mais avant de faire du dénominateur une pareille, parce que même si on a ajouté ou soit retiré, vous avez fait du dénominateur une pareille, alors nous avons LCM of D 4, 8, puis petit chiffre qui te fait tous les 3 venir, c'est 8, et là ou fois par 4, ici ou fois 4, 4 là ou fois par 2, ici ou fois par 2, 8 là il est déjà 8, alors il peut venir 4 sur 8, plus 6 sur 8, et retirer 5 sur 8, la cosine du dénominateur 8, là où vous pouvez faire 4 plus 6 retire 5. Là, ici, pour faire cette opération là, we work from left to right. 4 plus 6 fait 10, et 10 nous retire 5. Là, on peut diviser par 8. 10 retire 5 fait 3. Non, sorry, 10 retire 5 fait 5. Le 8. Alors, réponse, partie A, 25 sur 8. Partie B, où on a pour multiplier des decimal numbers, on a 2.3 qui est pour multiplier avec 0.04. Comme je fais 20 decimal number, bouge 20 decimal point là à droite, decimal place à droite, fait deviner un whole number. Ok, ici vous bouge 2 decimal places, et 24, et la 23. Et t'as trick pour multiplier 20 decimal numbers, vous mettez où lesquels vous n'apprenez de première. 3 x 4 fait 12, 2 x 4 fait 8, plus 1 fait 9. Là, vous retourne ça, 3 decimal places qui vous bougez à droite. En total, vous bouge 3, retourne 3 decimal places à gauche, là où réponse. Réponse finale, 20, 0.092. Partie C, là nous pouvons appliquer bout de masse. Mais dans bout de masse, comment on connaît B premier, deuxième, order, ben power avec le square root, troisième c'est division multiplication, même position, et quatrième c'est addition subtraction. Là-dedans, on peut trouver qui bracket est dominant, l'idée de première position. N'importe qui calcule dans le bracket, vous pouvez faire ça, donner priorité à le 7 plus 2, nous pouvons faire avant 9. À ce moment-là, subtraction qui est de quatrième position avec multiplication qui est de troisième position, mais j'ai multiplication là qui vont vous faire avant. Neuf retiré, nous fait 3 fois 9, surtout que les 3 fois 9 fait 27. Parce que tout suivi, ça bout là bien. 9 retiré 27. Nous connaissons l'opération, nous avons fait la différence entre 27 et 9. 27 tiré 9, comment il fait ça? Il faut couper 1, 10, 1. 10 retiré 9 fait 1, plus 1, 8, divine 18. Là, là, nous comprenons ce qui est stronger là. C'est un négatif là, il est plus faux parce qu'il est avec 27. Nous comprenons négatif, 18. Alors, réponse finale 20, négatif, 18. Next cube root of 216, qui 3 chiffres pareils, on est multiplié pour gagner 216, vous trouvez c'est 6 fois 6 fois 6. Right, là, vous pouvez checker, réponse vous venez, 6. Numéro 2, partie A factorize completely. Ok, donc vous voyez ici, nous pouvez checker highest common factor, b square c'est b fois b, plus 12b c'est 12 fois b, vous pouvez trouver common, highest common, et then 16 a fait common. C'est l'alphabet b là, common, qui pour rester, pour SB, pour SB. Et pour S, plus 12. Right, pas pour qu'on factorise further. Same. Complete, non fini factorise. Yeah, ouais. Deuxième partie, il y a une erreur de question là. Je peux trouver qui, pas si vous êtes 125, ça c'est peut-être 225. Un typing mistake, ça. Hein? Si vous êtes 225, x square, retirer 9, y square, z square. Là, on va trouver qu'il n'y a aucun common factor. Là, nous allons appliquer difference of 2 square. Difference of 2 square, juste vous trouvez difference. À gauche, il y a un tm power 2. À droite, il y a un tm power 2. Là, on factorise, divine des brackets. Un coup de prendre A plus B, un coup de A retient B. Nous pouvons appliquer ça, result là, ici. Nous trouvons difference là, bon. À gauche, ben tm là, nous allons faire 2 bin square. Par exemple, 225, c'est 15 square, x square. 9 là, nous allons faire 23 square. Ici, on a y square, z square. Là, vous trouvez, nous allons combine ça, 15, ça devient un seul power square. Ensemble, nous mettons square. Et retirer ici nous avons mis 3 y z complète ce square. Alors, quand nous factorisons, difference of 2 square, un coup de pouvine 15x plus 3 y z. Et next de pouvine 15x retirer 3 y z. Alors, réponse 1 15x plus 3 y z. Et 15x retirer 3 y z. Ça, c'est votre réponse pour numéro 2, ce partie A, ce deuxième partie. Next, troisième partie, ça c'est factorization by grouping, nous groupe 2 par 2, vous trouvez x common, qui pour rester a retire b, nous savons que d'un coup c'est possible, nous pouvons gagner a retire b, mais qui ça fait de vous acheter common, vous acheter négatif 3a common, négatif 3, sorry, négatif 3y, ok, négatif 3y, vous acheter common,
ça me checker ce qui dit tout correct. C'est x fois a fait ax, x fois négatif b fait négatif bx, négatif 3y fois a fait négatif 3ay, bien bon, négatif 3y fois négatif b fait positif 3by, bien bon. C'est comme par un facteur, ça des braquettes là, pareil, nous mettons une seule, factorise dit, des coefficients là, nous mettons une autre braquette, x retire 3y. Alors, réponse 1, a retire b, x retire 3y. Ok, next one. J'ai où il y a une factorisation, a square retire dab plus b square, que factorise devine a minus b square. Alors, observe ça pour factoriser ça. Observe, c'est comment dire relate. Vous pouvez trouver de ça, Suzanne a dit a et b. Comme alphabet. Déjà, quand il y a un premier alphabet A là, ce square, retire D coûte AB, là plus B ce square, veut dire premier alphabet là, ce square, retire D fois premier alphabet, deuxième alphabet, plus deuxième alphabet là, ce square, devine premier alphabet là, retire deuxième alphabet là, ce square. Alors, ça résulte, quand c'est servi ici, par exemple, c'est dans X square, de place premier alphabet là, A, je vais mettre X, et deuxième alphabet là, de place li, là, je vais mettre X, de place B, je vais mettre li, Y, plus ici pour un Y square. Vous trouvez le résultat pareil. Si de place a na x, get la de place a na x, de place b la mon met y. Allo, de place b la mon met y, résultat aussi pour une pareil. C'est de place a na x, de place b na y. Mais pareil, get sa result ici la 9x square, et c'est 12xy plus 4y square. Là, vous avez analyse bien. Parce que sa 9y square, x square là, c'est 3x complète ce square. Là, il y a 9x square, retiré. Ici, si vous mettez comme ça deux fois, 3x égale y plus ici vous mettez manque n, manque dy là parce que vous pouvez bien d fois 3x fait 6x, 6x fois dy fait 12xy plus d n, vous mettez dy sur square. Ah, ça, si vous analysez, il y a un peu similaire là, get là si vous observez bien. Get, on vous montre où là. Get, ici on a a sur square, ici on a 3x sur square, ici on a d fois a fois b, ici on a négatif d fois 3x dy avec de place b, on a dy. Alors, result là, si on applique ça, result là, il vient de sa première chiffre 3x là, retirer deuxième chiffre dy là, ce square. Et comment on applique le result là? Réponse une d 3x, retirer dy sur ce square. Question 3, ça c'est simultaneous equation. Équation 1, équation 2, nous savons d'un coup comment on va faire ça des premiers termes là. Il y a bien tout bien like them, si on va sur camarade, bien bon, on va voir, on va chiffre. Là, nous avons une fois ici pour dire travail là pour faire. Qui faire? Parce que ici, pour 0, première équation là, nous décidons intact. Deuxième équation là, 0.1 fois 2 fait à 0.2, x, retirer 0.2 fois 2 fait à 0.4, y égale 0 fois 2 fait à 0. La elimination method, vous voyez, si on veut servir substitution method, ou capable. Ok, ça de la couper. La next qui prenant pour la négative 0.3y, retire, retire, 0.4y, égale 5, retire 0, négative, négative, une positive, négative 0.3y, plus 0.4y, 5, retire 0, fait 5. Et là, ici, négative 0.3y, plus 0.4y, de faire la différence entre 0.4 et 0.3, vous trouvez les points 0.1, y égale 5, là, y, là, vous venez, 5 divisé par 0.1, nous avons simplifier ça, besoin décimal, il vient 50 sur n, réponse une 50. Top, y vient 50. Alors, c'est comment nous gagnons x, nous remplacer dans any one of these two equations, nous allons remplacer dans l'équation n est 0.2x, retirer 0.3y égale 5, 0.2x, nous avons déjà fini gagner réponse y, y nous gagnons 50 égale 5, il vient 0.2x, retirer. Ça, c'est négatif 0.3 fois 50, ça va devenir. Si nous faisons 50 fois 0.3, nous faisons un décimal. 50 fois 3 fait 150, nous retournons un décimal, une 15 égale 5. 0.2x égale 5 plus 15 fait 3, 20. La x vient, 20 divisé par 0.2, nous faisons un décimal, nous mettons 0. Là où 200 divisé par 2 fait 100. Alors x vient 100, y vient 50. Nous sommes capables de checker si nous avons des réponses bonnes. Nous remplaçons ça des réponses là, ça as check ça. Hein? C'est pour checker si nous réponses bonnes. Retire 0.3y égale 5. Ou quand check li, et d'un coup, si valait x, ça li valide. Nous mettons 100 ici, retire 0.3y, la li 50 égale 5. 0.2 fois 100 fait à 20. Retirer, vous pouvez trouver ici 0.3 fois 50 fait à 15. Et que la vérité, 20 retire 15 fait à 5. Li bon, c'est la réponse x, c'est quoi? La li satisfait pour mes équations. Donc, à remplacer la deuxième équation là ici, checker, il faut bien satisfait. Question 4, ça c'est question circulaire majeure, bien facile. Déjà, où de ça, les voilà, length of arc AB dit 132. Ça va se poser de nous, ça, ça, length of arc AB, de ta route, ça, oh là là. Alors, comment nous avons length of arc? Là, nous avons la forme, nous, équation.
Il y a length of arc, les 132 cm. Length of arc, pour calculer ce formule, je vous en rappelle avant l'examen. Theta le 360 fois 2 pi r égale 132. Alors, theta angle dans le secteur là, 108. 108 le 360 fois 2 fois pi qui valait pas une de service 22,7 fois r qui m'a mené pour roder égale 132. Nous avons beaucoup de cas simplifiés. Que par exemple ici, 108, nous sommes divisé par 6. Si nous divisons par 6, divine n, remainder 4. 48 divisé par 6, fais-toi 8. Divisé par 6, fais-toi 60. Divise par 6, fais-toi 3. Divise par 6, fais-toi 10. Ok, pour pas croire qu'à simplifier encore là. Non, c'est 3, 10, 17, c'est tout. Alors, quand on reach, on arrive à 3, le 10, ça va simplifier. Right, là, ça veut dire que bien, nous faisons 108. Quand on divise par 3 sur 60, on gagne 3, le 10. Après, une fois par 1 fois 2, fois 22, le 7, fois R, ça devient 132. Ok, nous allons combiner cela ici. Là, hein? Nous allons faire 3 fois 2, là, la réponse que nous gagnons 2 fois par 22, fois tout le numéro de nous gagnons 132. On va 10 fois 1 fois 7 fois 70, fois R égale 132. Là, la R vient 132 divisé par 132 sur 70. Là, la R vient 132 fois 70 sur 132. Coupez, coupez, vous trouvez réponse pour 20, 70. Ça va être 70 cm. Ce valet, au cas pas mettre cm, parce que c'est une demande de ce valet. Valet, elle a dit 70. Question 5, chapitre symétrices. On a une opération pour faire. Est-ce qu'il y a des multiplications 4 fois avec matrix A. Retirer le scale de multiplication. BD, négatif D, négatif 4, 0, négatif 3. Nous évaluer 4 fois négatif 3. Prends ça 4 là, multiplier. Fais scale de multiplication. Négatif 12, 20. Négatif 12, 4 fois 6 fait 24. Retirer, à ça nous pousse des là. On aurait bien dit qu'il m'a poussé, négatif là, on laisse des hauts. Des fois négatif, des fois négatif 4, des fois négatif 4 fait négatif 8, des fois 0 fait 0, des fois négatif 3 fait négatif 6. Et là, nous simplifier, négatif 12, retirer 4, sac. Corresponding elements, nous joignent, combine. Et 24, retirer 6. Pour tout que dans négatif, négatif, une positive, nous allons combine, ça vient plus, ça vient plus, ça vient plus. Nous simplifions, négatif 12 plus 4 fait négatif 8. 20 plus 8 fait 28. Négatif 12 retire 0 fait négatif 12. 24 plus 6 fait 30. Alors, réponse finale, bien, négatif 8, 28. Négatif 12, 30. Et là, c'est ça, réponse finale. Next, je vais dire, on fait BA, matrix multiplication. Matrix BD, négatif 12, négatif 4, 0, négatif 3. Donc, il faut aller avec matrix A, les négatif 3, 5, négatif 3, 6. Et 2 by 2 matrix, nous avons checké order, 2 by 2 matrix, c'est ça de l'appareil, là nous allons faire matrix multiplication, réponse finale pour venir de matrix 2 par 2. Ça veut dire matrix 2 par 2, ça veut dire qu'on a deux rows avec deux columns. Un élément ici, 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 ici. Chaque élément, il y a un, ce qui est un dot product pour faire. Alors, premier là, nous pouvons faire matrix multiplication, nous allons faire rows from the first matrix, multiply by columns from the second matrix. Ok, top, allez. Premier élément, nous faisons cette position, les row 1, column 1, nous prenons row 1 fois column 1. Négatif 2 fois négatif 3 fait positif 6. Négatif 4 fois négatif 3 fait à 12, positif 12. Négatif 2 fois 5 fait à négatif 10. Négatif 4 fois 6 fait négatif 24. 0 fois négatif 3 fait 0. Négatif 3 fois négatif 3 fait positif 9. Et 0 fois 5 fait 0. Négatif 3 fois 6 fait négatif 18. Nous combine, il y a 18 ici, il y a négatif 34. Next, c'est 9, négatif 18. Ça, c'est ta réponse finale. Ou question 5, sur partie B. Next, partie C, où on a B square. Rappelez-vous, il y a une matrice B ici. B square, VGF, vous apprenez matrice B, il faut aller avec lui-même. Alors, matrice B, les négatifs D, négatif 4, 0, négatif 3. Il faut aller avec lui-même. Lui-même, c'est négatif 2, négatif 4, 0, négatif 3. Order, tout cela, tout pour pareil, parce que multiplication, il y a des matrices, même order, comme de partie B. Alors, nous prenons 20 rows depuis la première matrix. Nous pouvons avec 20 columns depuis la deuxième matrix. Ok, top. Allez. Ça nous rappelle bien. Row 1, row 2. 20 positions, ça va nous mettre ça. Column 1, column 2. Ça veut dire premier élément là, row 1, column 1. Nous prenons row 1 fois column 1. Négatif 2 fois négatif 2 fait à positif 4. 0 fois négatif 4 fait à 0. Next, row 1, column 2. Row 1, négatif 2. Négatif 4 fois column 2, négatif 4, négatif 3, nous multiplions négatif 2 fois négatif 4. Mais vous êtes comment faire d'autres products, je vous en rappelle. Négatif 2 fois négatif 4 fait à 8. Négatif 4 fois négatif 3 fait à 12. Positif 12.
Le tout colle à moins, 0 fois négatif 2 fait 0, négatif 3 fois 0 fait 0. Je tout colle 2, 0 fois négatif 4 fait 0, négatif 3 fois négatif 3 fait positif 9, que nous combine, simplifier, 4, 20, 0, 9. 4, 20, 0, 9. Next question, c'est ce parti A, chapitre c'est polygone, sum of interior angle, ou bien dit pour sa formule là, n moins d fois 180, il y a au point de polygone, réponse dit 1440, nous avons retenu le number of sides, on retenu le n. Et nous quittons n moins 2 la même, nous prenons 1440, nous divisons par 180, nous simplifions 0, 0 coupé. Nous avons une possibilité car divise par c, divise par petit chiffre, divise par 6, fait 3, nous divise par 6, 12 plus 3 fait 2, je mets 2, 24 divise par 6 fait 4, divise par 3 fait n, divise par 3 fait 8, n retire 2 égale combien? N retire 2 égale, on gagne 8, alors n pour n, 8 plus 2. Et n, c'est number of sides. Same qui déjà rodé. Number of sides, 10. Numéro 6, ce parti B. De la pour simplify ratio. Ratio qui simplify, make sure qu'il y a des units ça pareil. D'abord, des units ça pas pareil. C'est les 4 mm. La valeur liters. Nous allons faire ça maintenant. Milliliters. Milliliters, c'est milliliters. Ok, top. Alors, liters, milliliters, vous avez fois par 1000. Là, 0.2. Si vous faites par 1000, 1, 2, 3, au bout de 3 décimales places à droite, vous pouvez gagner 200. 200 millilitres, là la commande unit est même pareil ou coupé, là la 200, c'est 4 ou 8 juice, divise par 4 des côtés, simplest form, 200 divise par 4 fait 50, is to 1, ça c'est de réponse, 50 is to 1. Next question, c'est ce parti A, solve equation, combine sa DTM qui est dans x, 3x en envers à gauche, divine retire 3x, négative 9, négative 4 envers à droite, divine positive 4, c'est ça équal là, 5x retire 3x fait 2x. Négatif 9 plus 4 fait négatif 5. Là, x prouvé. Négatif 5 divisé par 2. Réponse oui, négatif 2.5. Next. Partie B, vous trouvez l'art de proposer cross multiply. Si vous cross multiply, vous gagnez 2 fois dx plus n égale négatif 3 fois 6. Expand, d fois dx fait 4x, d fois n fait 2. Négatif 3 fois 6 fait négatif 18. 4x égale. Négatif 18 retiré 2, 4x égale négatif 18 retiré 2 fait négatif 20. Vous trouvez que x pour venir négatif 20 divisé par 4, x vient négatif 5. Ça c'est la réponse. Négatif 5. Next part, ici, quadratic factorization. Là, nous avons solve égale 0, donc vous avez a 0. À cause du coefficient of x squared de n, directement nous avons une réponse. Nous mettons x avec x. Coefficient of x squared de n, c'est avec quadratic expression, c'est pour ça que c'est ça, formata, bx plus si, ici nous avons x squared n x squared, retirer 7x, retirer 60. Alors, valeur a qui là, ça c'est valeur a li n, valeur b, coefficient of x, valeur c li négatif 30. Valeur a li n, valeur b li négatif 7, et valeur c li négatif 60. Alors, ça des chiffres qui ne peuvent rôder là, dans le bracket là, ce product vous avez une état ainsi, et que ce somme. Ce sum, vous avez une B, et times si n fois négatif 60 fois négatif 60, et cause de négatif 7. Alors que ça déchiffre là, ça. 15 fois 4, 66 fois 10, 12 fois 5, on pense à 12 et 5 à la fin du tracement. Mais nous pouvons vous mettre négatif là devant avec 12. Là. Négatif 12 fois 5 fait négatif 60, négatif 12 plus 5 fait négatif 7. Alors, il y a négatif 12 et positif 5. Et à l'instar, comme ça, quand il y a des braquets, des TMP multipliés égale à 0, quand il y a des multipliés, là, déjà A et Z. Premier terme là, c'est x retire 12 égale à 0, nous roule par les x, x fait 0 plus 12, x 0 plus 12 fait à 12, et d'ex o, x plus 5 égale à 0, le bas x pour 20, 0 retire 5, réponse x pour 20, négative 5. Alors que ça des réponses qui nous gagnent là, nous gagnons 12 avec négative 5, ça fait des réponses.